J'ai craqué mon slip. Hello! Écoutez, je vais vous montrer mes courses, d'accord? Je vais vous montrer mes courses. Lidl, cette fois-ci, j'ai craqué mon slip. Je suis allée avec mon ex-mari, on a été au marché. En fait, j'ai été signer mon papier de retraite. Voilà. Bon, je vous montre tout ce que j'ai acheté. Vous n'allez pas en venir, hein. Bon, tout d'abord, j'ai acheté du jus d'orange. Il était à 1,49 €. C'est un gros pack énorme. Je ne sais pas combien il y en a dedans. C'est du XXL. Voilà, 1,49 €, il y en a 2 litres. J'ai pris du jambon emmental, pâte et crudité. J'ai pas envie de faire à manger, je vous cache pas. Donc j'en ai pris 2. Voilà, que je vais mettre dans mon. Franchement, c'est très très bon. Je vais me manger ça. J'ai pris des jus d'orange comme ceci. Alors j'ai payé ça 1,89 €. 1,59 € les jus d'orange. Et j'ai pris mes fameuses moules marinières à 3,49 €. Je les adore. Alors, on passe maintenant. J'ai pris du coulis de tomate Heinz, il est trop bon. 1,59 €. C'est pour faire tout simplement avec du poisson, parce que j'ai beaucoup de poisson. J'ai encore beaucoup de viande, donc je vais faire des petits plats comme ça, sympatoches. J'ai pris pour 2,29 €, je crois, du saucisson Laffine sèche. J'avais envie de manger du saucisson. Vous me croirez si vous voulez, je cherchais partout le saucisson. Et puis je me suis dit, tiens, je vais aller voir les tacos. Et en voyant les tacos, eh ben, j'ai vu qu'il y avait des saucissons. C'était le rayon saucisson, faut le faire. J'ai pris du bacon, alors c'est des wraps, 2,49 €, je crois. Ou 2,29 €, je sais plus. Bacon, œufs cuits, fumés, tomates marinées. Alors, ça, c'est quelque chose que j'adore. Je ne sais pas si vous connaissez, ça coûte 1,29 € la boîte. Ce sont des gâteaux aux Suisses. C'est une tuerie. Quand je vous dis que c'est une tuerie, c'est. Moi, je ne connais pas ceux-là. Ceux-là, ils sont au chocolat au lait. Ceux-là, ils sont croquants noix de coco. Mais ceux que je connais très, très bien, c'est ceux-là. Ceux-là, je les connais très bien. Médaillon chocolat sur lit de chocolat noir. C'est croustillant. C'est une tuerie. Mais vraiment, quand je vous dis que c'est une tuerie. Et du coup, j'ai pris dans la même marque, parce que j'ai craqué aussi, Choco Crush chocolat au lait. C'était 1,29 € je crois, ou 1,49 €. Franchement, je dirais des bêtises, je ne me rappelle plus. Ensuite, j'ai trouvé ces petits caissons comme ça pour 3,99 € pour mettre dans mon frigo. Voilà, tout simplement. Je vais faire du rangement dans mon frigo. Donc, j'avais des boîtes, mais franchement, j'en veux plus. Elle est où la boîte? Ah bah oui, il y a des trucs dedans. C'était des boîtes transparentes. Et franchement, celles-là, elles sont moins hautes. Et par contre, là, vous avez les hautes. Aïe! Vous avez les hautes, tout simplement pour mettre. Ben, regardez tout ce qu'on peut mettre dedans. On peut mettre des légumes, on peut mettre. Voilà. Donc, mon frigo va être organisé de cette façon-là. J'ai pas vu. Il me dit, regarde, alors, je n'aime pas trop le chorizo. Mais par contre, je me suis aperçue avec du jus d'orange et avec des pois chiches, c'est délicieux. Donc, j'avais fait une recette que j'avais inventée. Du coup, je vais refaire avec des oranges, du chorizo et des pois chiches. Et c'est une tuerie. Je ne vous cache pas, c'est du doux. J'ai repris des salades surimi, pâtes et crevettes. Je ne sais pas pourquoi je dis j'ai repris parce que j'y vais jamais. Alors, voilà, pâté crevette, j'ai pris un paquet, 1,89 €. Ça, j'adore. Alors ça, j'adore, 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 j'adore. Mais franchement, alors ça, c'est la saladinette museau de porc. J'en ai eu pour 2,49 €. C'est un gros paquet. Franchement, 500 grammes, j'adore. J'adore, je sais pas, dites-moi si vous aimez, mais moi, j'adore le museau. C'est un truc de fou, hein. Je me suis pris ça, du pad thaï aux crevettes. C'est bon jusqu'à demain. Donc, je vais le manger demain. Voilà. Ou ce midi plutôt. Je vais le manger ce midi. Par contre, ça, je l'ai payé 4 euros et des bananes. Ça, par contre, ça, je l'ai payé cher. Mais on ne peut pas tout avoir. Hein. Ça, j'ai payé ça à l'abricot 59 centimes parce qu'il n'y avait pas d'autre dessert. Et du coup, et j'ai pris saveur pomme au four. Parce que je me suis dit, comme j'ai des pommes qui viennent du jardin. Ah non, je les ai données à mon ex-mari. Bah, du coup, j'ai plus de pommes, mais c'est pas grave. Bah, de toute façon, c'est jusqu'au 29 septembre, donc ça va. Ça, je vous l'ai montré. Des bulots. J'adore. Mais j'adore les bulots. J'adore ça. 2,99 €. C'est vraiment une pure tuerie, les bulots. Alors, attendez, je vais les ranger. Faut que je nettoie mon frigo. Faut que je range mon frigo. Voilà. Ensuite, j'ai pris.
Des salades coupelles de fruits, 1,89 €. J'adore ça le soir, me manger une petite salade comme ça. Alors, je connais pas, hein. Franchement, j'achète rarement à Lidl. Je vous cache pas que Lidl et moi, j'y allais jamais, hein. Maintenant, je vais y aller avec mon ex-mari. Ensuite, j'ai pris des tortillas wrap barbecue. Et ben, vous savez quoi? J'ai oublié de les mettre au congélateur. Ben, j'y mangerai ce soir. Voilà, j'ai payé ça 2,99 €. Ça, c'était 99 centimes, la moulinée de légumes. Ben, je me suis dit, je vais essayer. Hein. Je vous dis, hein, il va falloir que mes goûts de luxe ben, changent un petit peu. Et moi, j'aime bien Lidl, hein, de toute façon. Mais ça fait des années que j'y vais pas parce que je ne peux pas, parce que j'ai, comment dire, parce que tout simplement, j'avais personne pour m'emmener. 99 centimes, la mélange pour salade, elle est très bonne, je l'adore. 1,29 €, j'ai pris du pamplemousse rose de Corse. Voilà. Voilà, ça franchement, ça va être un finement pétillant. Je pense que ça doit être une tuerie. Pour je sais plus combien, 99 centimes, je crois que j'ai payé ça. Des asperges, voilà, parce que j'aime bien le soir manger des petites asperges. 1,65 € des œufs bio. C'est fini le temps où il y avait des œufs à 1 €. Hein. Ça, je sais pas, j'ai payé 19 centimes le petit croissant, j'en ai pris 10 ou 12. 12. 1 €, je ne sais plus combien, alors, je suis désolée, hein. 1,69 €, je suis pas sûre. Fruit de la passion, ceux qui connaissent les prix, hein. Sole Vida, fruit de la passion, moi j'adore, franchement j'adore le nectar. Des glaces, je les ai payées 2,99 €. Mango et passion fruit, il y en a 6. Ma petite tourte que j'adore tout le temps, que je mange souvent. Tarte aux noix de Saint-Jacques, aux petits légumes, il la sort beaucoup en été. Je l'ai payé 2,45 €. Faut savoir que, faut voir que, en fait, quand j'achète à la Belleville, je la paye 2,89 €. Donc, j'ai pris deux petits millefeuilles que je vais manger. Je ne sais pas combien je les ai payés. Ben ça, je vais les manger un midi. La baguette pour, je sais pas, 70 centimes. Franchement, elle a l'air délicieuse. Donc, je me suis acheté cette petite baguette. Ensuite, 1,79 €, j'ai pris un chinois. J'adore, 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 j'adore les Chinois, j'adore ça. 1,79 €, franchement. Mon fils va venir, il y aura le chinois, il y aura le truc comme ça. Faut que je fasse des courses aussi pour lui, hein. Je me suis pris des. Ah, oh, Paola, petit coucou à toi. Des pastel de nada. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. 49 centimes. J'ai pris de la levure boulanger parce que c'est tellement dur de trouver de la levure boulanger. La levure chimique, oui, mais de la levure boulanger, c'est tellement dur. Donc j'ai pris, si jamais elle a envie vient de me faire des gâteaux. Ou... Et j'ai trouvé. Ah, par contre, on va aller ailleurs. Mon ex-mari qui a trouvé. La serviette. Que tout le monde cherchait, là, 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 là. Voilà. La serviette Lidl. Oh, n'importe quoi. Elle est à 7,99 €. Je vous la montre. Regardez, voilà. J'ai trouvé ma serviette, 7,99 €. Elle est très grande, elle est très épaisse, elle est franchement très bien. Voilà. Honnêtement, est-ce que c'est Made in Chine, Made in France? J'en sais rien. Voilà, comme ça, quand j'irai voir ma pinquette, j'aurai ma serviette Lindel. Allez vous abonner à la vidéo, à la chaîne de Mamie Corinne. C'est ma sœurette d'amour, c'est à la vie, à la mort. Livarno. Ben, si vous voyez, tant mieux, parce que je ne vois pas. J'en ai eu 10 euros le tout. 10,79 €. J'ai pris des brognons. Voilà, je les adore. Franchement, j'adore les brognons. J'ai pris des citrons. Alors ça, hey, franchement, vous n'allez pas en revenir, hein, à ce prix-là. Regardez ce que j'ai trouvé. Ça se trouve que sur la Côte d'Azur. Et je vais faire des œufs avec les fleurs de courgettes. Voilà, voilà ce que j'ai trouvé. Un kilo de... Attendez. Voilà, regardez. Un kilo de courgettes fleurs. 1,99 € le kilo. Et les fleurs, voilà. Donc, je sais qu'on peut les émincer, les fleurs, et puis les mettre en omelette. Ensuite, j'ai pris un melon 1 €, j'ai pris trois oranges, j'ai pris du raisin,
et j'ai pris des mirabelles. Voilà, tout ça, j'en ai eu pour 10 euros. Coucou, c'est moi. Oui, je suis la couse de Sib. Oui, ça va, vous allez bien? Oh, je viens de voir un truc. Elle a acheté. Alors, moi, j'adore, vous savez, faire avec des petits morceaux de fromage, parce qu'à Dubaï, on aime bien ça le soir. Franchement, juste avant de manger, on se fait des petites planches et puis on met du pâté, on met du saucisson, on met du fromage. J'adore. Fromage, jambon, enfin charcuterie et fromage, j'adore ça. Et donc, je viens de voir dans ses tiroirs, elle a des planches comme ceci. Oh, mais je suis trop contente. Du coup, je suis allée dans le frigo, j'ai été voir pour faire des petites planches. Eh ben, ouais, Louis, y a rien. Ça, c'est bien elle. Hein. Elle achète des trucs comme ça. Et ça sert à quoi si c'est pour ne pas avoir du fromage et de la charcuterie? Eh ben, rien. Voilà. Qu'est-ce qu'elle va en faire? Va en faire des. Voilà. Bon, ben, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Sur ce, eh bien, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein, plein de bisous. En tout cas, moi, je vous dis I love you. Ich liebe dich. Te quiero. Te amo. Thank you.